Nous avons subi une baisse d'activité en 2012 et avons rapidement décidé de mettre en œuvre un plan de redressement. D'une part, la marge brute est repartie en légère croissance en 2013. D'autre part, les coûts ont baissé significativement. Le résultat a été une augmentation du résultat d'exploitation de plus d'1 million d'euros. Grâce à la stratégie mise en place, on a plusieurs leviers de croissance. Le premier, un marché, notamment un marché des études, qui est un marché sain, qui est porteur. Le fait que nous soyons à 53% à l'international nous permet de bénéficier de ces différents leviers. Le deuxième levier de croissance, c'est l'extension de notre offre de services. On est sur un marché où il faut fournir des répondants à des instituts d'études sur plusieurs pays. L'industrie fait à peu près 50% de son chiffre d'affaires dans ce qu'on appelle le multi-pays et pour nous seulement 5%. Donc la croissance sera portée par ce deuxième levier. Et enfin, le troisième levier, l'innovation. On a investi dans des développements, dans les nouvelles technologies de tracking d'acquisition, dans le mobile, ce qui nous permet de lancer des innovations et des nouveaux produits. Le cash nous a servi l'année dernière à relever l'actionnaire, puisqu'on a racheté et annulé un nombre significatif d'actions, mais il est également là pour développer l'entreprise. Et oui, nous sommes en recherche active d'acquisition, notamment dans l'activité des panels en ligne. Ça nous permettra de développer notre couverture géographique et de compléter nos technologies.